Bah, ça aide pour ceux qui peuvent pas aller visiter des entreprises à l'extérieur, mais bon, enfin, on est vu différemment, donc c'est... Le regard des autres classes vous a plus pénalisé, vous avez l'impression que vous de vous concentrer sur éventuellement ce que ces visites pouvaient vous apporter. Oui. En fait, toi, ça t'a vraiment blessé cette année de le regard des autres. Alors, parce qu'il y avait des gens aussi, Victor, t'avais l'air de dire que toi, peut-être tu conseillerais à des quatrièmes que ça pourrait être sympa si t'avais un frère ou une sœur en lui disant, bah tiens, tu verras l'année prochaine. Ah si, ça, qu'est-ce que t'as trouvé de bien, toi? Bah c'est bien, parce que c'est... Bah déjà, c'est aménagé. Enfin, c'est pas... Le temps scolaire, c'est-à-dire que ça fait du bien, c'est un peu comme des respirations, c'est autre chose que des cours, c'est comme des respirations un peu en disant, bah, nous, on fait autre chose, on fait pas que du cours classique avec le prof, le tableau et la salle de classe. C'est ça un peu que tu voulais dire, ça fait du bien, des respirations comme celle-là. Et même ça permet de... Par exemple, quand je vois la gendarmerie, ouais. Ça permet de voir vraiment comment ça se passe. Mmh. On nous emmène dans des entreprises qui ont été choisies avant, ouais. Et puis on parle de ces entreprises-là après. Donc on doit noter ce qu'on a pensé, si ça nous a plu, qu'est-ce qui nous a plu dans cette entreprise, qu'est-ce qui nous a moins plu, etc. Et au final, on ne dit pas ce que nous, on aimerait faire. Pourquoi ce métier nous intéresse plus qu'un autre métier ou... Ce genre de truc. C'est vrai que là-dessus, on en a parlé un peu, chacun de ce qu'il aurait voulu aller visiter, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Oui. Parler davantage de vos appétences, de vos oui. goûts. Oui. Et bah, peut-être même avoir des outils pour essayer de vous aider à vous définir vous-même, parce que parfois c'est pas simple de. Mmh. Tu dirais ça? Bah, plus pour les futurs troisièmes qui, si la classe continue, que ce soit eux qui donnent des idées d'entreprise qu'ils aimeraient aller visiter. Au départ, moi, quand on m'a dit que j'étais dans cette classe-là, je me suis dit, j'ai rien à faire ici, je vais retourner dans la classe dans laquelle je devais aller. Puis au final, au milieu de l'année, c'est vrai que ça aide. Puis je pense que même pour plus tard, même pour en seconde générale, moi, la dernière entreprise qu'on a faite, c'était la gendarmerie et le... Service technique. Ouais, le service technique. Moi, le service technique, ça m'a permis de trouver mon stage aussi. Ça m'a permis de... Puis même pour les stages de troisième, c'est... aide beaucoup. Là, comme on est des groupes séparés pour des visites, mais on est obligé de communiquer forcément, à dire est-ce que t'as noté ça ou qu'est-ce que t'en penses, ou on est obligé de se mettre en groupe et de faire un débriefing à chaque fin de visite. Donc c'est vrai qu'on est une classe qui s'entend plutôt bien. Depuis qu'on a commencé les entreprises, les stages et plein de trucs, je suis un petit peu perdue parce que je me dis qu'il y a plein de choses. Ouais. Et j'ai peur de me tromper. J'avais surtout les métiers principaux. Je veux dire, tous ceux qu'on voit dans la vie de tous les jours, mais au final, il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y en a encore d'autres qui se créent en soi. Ouais. Et tu penses à quoi, par exemple? Je sais pas, il y a plein d'autres entreprises qui se créent. Et puis, niveau technologie, on avance vachement. Du coup, il y a plein... Des métiers d'avenir, de demain, qu'on ne soupçonne même pas, qui vont arriver, quoi. C'est ça. C'est ça. Je voudrais revenir avec vous parce qu'il y a à peu près 2 mois, quand on a eu la. Ça fait à peu près 2 mois, qu'on a eu la fin du conseil de classe du deuxième trimestre. On a eu donc le premier aller-retour avec la fiche dialogue. Donc, cette fiche dialogue, on repart, on se remémore, il y a 2 mois, je vous remettais ça à la suite du conseil de classe du deuxième trimestre. Donc, ma première question est la suivante. Dans quel état vous étiez quand je vous ai remis cette fiche dialogue? Non, j'avais dit en détresse. En détresse, d'accord. Il dit qu'il nous rend la feuille avec favorable, défavorable, réservé. Et on se retrouve avec favorable, on est content, c'est bon, on a ce qu'on veut. Donc ça coïncide avec votre vœu premier? Bah oui, ça. Moi, dans mon cas et dans le cabinet, on s'est retrouvé avec défavorable et aucun est derrière. Ils nous ont pas dit, par exemple, toi, on ne voit plus là-dedans, on va plus voir ça ou des trucs comme ça. Voilà. D'une manière générale, entre cet aller-retour, conseil de classe, famille, vous, fiche dialogue, fiche de vœux, vous pensez quoi de ce système? On en a un petit peu parlé parce qu'on a un peu empiété. Les autres, vous pensez quoi de ce système? Mais même en tant que
le ressenti, si éventuellement c'est angoissant, si ça l'est, pourquoi, essayer de justifier un peu. Ou la même. Bah oui, mais c'est stressant du coup parce que si nos parents nous disent bon, c'est bon, ouais, il reste 3 semaines, tu vas pas aller en général, donc t'es en professionnel tout de suite, on a pas oui, de moi à me dire oui. Mmh. Ok, mais moi c'est plutôt. C'est là-dessus d'ailleurs là, que je vous interroge, et je suis sûre que vous en pensez quelque chose. Mais... vous maîtrisez ce système? Vous avez l'impression d'être au cœur du système? Ou vous avez l'impression qu'il vous tombe dessus, le système? Il nous tombe dessus, c'est nos parents qui essaient de façon que... Ouais. Il vous tombe dessus, mais est-ce que vous êtes un peu plus... Ah, non, ça bah, ah alors, c'est argument pour, argument contre. Alors Camille, vas-y. Si ton père il veut pas, il va pas t'y mettre. Bah oui, mais c'est moi plus tard, c'est pour moi que je travaille et tout, qui va me mettre en général, en professionnel, des trucs comme ça. Mais si il veut pas. Mais il sera obligé, mais il sera obligé parce que c'est pas lui qui va y aller après. Bah c'est vrai. Bah, donc toi Camille, tu dirais que t'es vraiment actrice ou acteur dans le système d'orientation actuel? Bah non, bah ils veulent me mettre en... Ils veulent, dis précise. Mes parents ils veulent me mettre en professionnel parce que c'est ce que le conseil de classe a dit. Mmh. Moi je veux pas parce que je sais qu'en professionnel bah, ça m'intéressera pas et je sais pas quoi faire. Alors pourquoi tu te dis que ça va pas t'intéresser? Bah professionnel, faut avoir faut déjà savoir ce qu'on veut faire plus tard, un peu être orienté pour ce qu'on veut faire plus tard. Alors justement, est-ce que c'est pas intéressant de le travailler ça dès le début de l'année pour voir tout le panel, et sans le choisir, mais au moins savoir plus précisément de quoi il retourne, plutôt que d'avoir des préjugés en fait sur des systèmes ou d'autres parmi ceux qui sont proposés. Bah, en général, je sais que j'aurais porte ouverte à peu près pour tout, pour professionnel. Pas forcément, je pense que là tu vois c'est une croyance, c'est un truc que tu te dis, mais... C'est une croyance qui est largement partagée. Oui, oui, bien sûr, mais justement on est là pour débattre aussi. Et c'est intéressant de le dire, comment on conçoit la seconde générale par rapport à tout ce qui est lycée professionnel. Il y en a un qui est soi-disant ouvert, et l'autre qui vous fermerait les portes, en gros. Vous pensez tous ça? Enfin, sauf ceux qui ont fait déjà le choix du professionnel. Bah, moi, mon avis, je préfère avoir un bac professionnel qu'un bac général. Parce que je sais que je serai plus dans le monde du professionnel, dans le monde de l'artisanat, avant les gens qui vont faire du général. Mmh. Je pense. Mmh. Non, je suis sûr.